Alors là, nous arrivons de 10 jours de stage à Temple-sur-Lot, où bon, les bateaux A ont continué dans la composition habituelle. Et la composition des bateaux U23, on avait déjà une bonne base par rapport au travail en hiver. Là, on l'affine au fur et à mesure des parcours. Et on a de bonnes informations. Et ça commence à prendre forme. Alors, nos équipages du secteur femmes sont en progression. Surtout, bon, voilà, on a la confirmation que nos deux doubles, nos deux bateaux phares, nos deux poids légers, Claire et Laura, et les deux petites catégories, Hélène et Elodie, grimpent toujours vers le meilleur. Et puis, le cadre de couple TC commence à se rapprocher, à réduire les écarts. Ça, c'est de bonne augure pour la suite. Et après, on a le groupe des moins de 23 avec une dynamique qui s'installe, une dynamique positive qui s'installe vers un début de performance avec les bateaux de pointe. Alors ici, on a organisé une confrontation avec l'équipe suisse au complet, avec l'équipe de France au complet, A et U23. Et franchement, c'était une super idée, ça se passe très bien. Et d'avoir une référence internationale à côté de nous, en plus de faire nos matchs franco-français, ça donne un petit plus, un petit peps en plus dans certaines catégories. Et c'est loin d'être négligeable, donc au-delà de faire les meilleurs pourcentages, on voit aussi où on se situe par rapport à un des meilleurs bateaux suisses. Bon, c'est déjà un bon repère pour sortir de ce confinement et cette semaine post-confinement avant de démarrer l'été et j'espère une belle préparation des championnats d'Europe. Et ben, nous partons en stage terminal alors. Les A sont en vacances 2 semaines, une grosse semaine plus une petite reprise d'activité. Les U23 sont en vacances 1 semaine et attaquent un stage terme pour préparer les championnats d'Europe de Duisbourg. Et donc après, les élites se retrouvent en stage le 26 août, du 26 au 17 septembre, donc dans divers endroits pour préparer l'or. Ça servira de stage terminal pour préparer ces championnats d'Europe. Les 2 semaines de vacances seront les bienvenues pour tout le monde. Parce que même si pendant le confinement, on n'a pas fait de compétition, on n'a pas fait de stage, mais tout le monde s'est bien entraîné. Tout le monde a besoin de cette coupure psychologique plus que physique pour vraiment passer du temps avec ses amis, avec sa famille, faire autre chose évidemment que de l'entraînement. Et cette semaine ou ces 2 semaines seront vraiment les bienvenues pour redémarrer encore plus fort au mois d'août.